Ça, c'est un article qui faisait la promotion d'un tour de magie que je kiffais. C'est un tour de magie sur Internet. Faites-le avec vos amis, c'est vraiment super. On va y aller, regardez. Choisissez un nombre de deux chiffres. 42. 47, oui, si tu veux, 47. Soustraire à ce nombre la somme des deux chiffres qui le composent. 47, 30. Cherchez l'objet correspondant ci-dessous. 36, 36, 36, 36, 36, 36. 36, c'est donc les petites étoiles avec les petites formes. Mémorisez l'objet. Petite étoile avec la petite forme, la 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 petite étoile avec la petite forme. C'est bon. La petite étoile avec la petite forme, c'est bon. Puis, cliquez sur le magicien ci-contre. La petite étoile avec la petite forme. Ça marche à tous les coups. C'est énervant. Oui, bien sûr qu'on va le refaire. Parce que tu n'y crois pas et que moi non plus j'y croyais pas. Mais ça fonctionne. T'as beau le refaire des milliards de fois, il va toujours trouver ce fils de p*** de magicien. Parce qu'au début, il est sympa le magicien. Il est marrant, avec son gros nez en patate. Mais à la fin, il te tasse le cul. Choisissez un nombre à deux chiffres. Bon, là, t'es pas con, t'essayes de le troller. Tu te dis, tiens, je vais prendre 10. Ouais, 10, comme ça. 10, moins la somme des deux, ça fait 9. Du coup, peut-être que le magicien, il va dire, merde. Eh bah, pas du tout. 10, moins 1. Plus 0, ça fait 9. Nous allons voir 9. C'est un marteau. Un marteau, je clique sur ce putain de magicien. Putain de marteau! C'est là que tu commences à croire que la NSA espionne ton ordinateur, qu'il y a des micros et qu'il t'a entendu dire 67 ou ce que tu veux. Je choisis le 51. 51 moins 5 plus 1, ça fait 45. C'est encore les petites étoiles avec les formes. Fais chier. J'ai envie de me suicider. Allez, salut.